Comment me décrire moi-même? Avant tout, je me définirais comme un écrivain, c'est-à-dire que ma vie entière est organisée organisée autour de l'écriture, c'est-à-dire que je me lève en me demandant est-ce que je vais réussir à bien écrire aujourd'hui. Je me couche en me demandant si je vais réussir à écrire demain. Donc, c'est mon être premier, écrire. C'est ma grande préoccupation. Et la seconde, c'est d'être une mère. Et c'est ce qui vient dans mes pensées et en moi, après l'écriture, ce sont mes enfants, mes filles. Et que signifie être une mère, que signifie élever des enfants. Voilà, ce sont mes deux jambes, écrire et être mère. Et quand vous étiez enfant, vous avez aimé aussi la littérature, les livres, j'ai lu quelque part. Quel enfant étiez-vous? Enfant, j'ai grandi dans une maison qui était entièrement remplie de livres. Il y avait des livres dans toutes les pièces de la maison. La salle de bain, la cuisine, des livres partout. Donc, c'est une enfance... J'ai eu une enfance très joyeuse, très heureuse, avec des parents qui étaient sans cesse préoccupés par quelque chose qui était leur travail, leur recherche. Et donc, j'ai vraiment été une enfant qui a vu que avoir une obsession à soi chez les adultes est quelque chose qui me plaisait et que j'ai au fond reproduit avec l'écriture. Mais j'ai lu aussi que vous êtes écrivain, écrivaine, et vous vous réveillez chaque matin heureuse de l'être. Dans ma vie, tout a changé du jour où je me suis autorisée à moi-même de devenir écrivain. Avant, il me semblait que c'était comme un costume trop grand pour moi et que je n'avais pas le droit de mettre mon nom sur une couverture de livre au regard de la littérature et des auteurs qui me précédaient. Et un jour, je me suis dit, peut-être que tu vas passer à côté de ta vie, alors autorise-toi à dire aux autres que tu écris, que tu veux être publié, que tu veux être écrivain. À partir de là, ma vie a changé et je suis devenue quelqu'un de très heureux, ce que je n'étais pas avant. L'écriture m'a apporté comme un apaisement au monde et je suis quelqu'un de fonctionnel parce que j'écris. Je suis une mère qui peut élever ses enfants parce que j'écris. Je suis une amie qui peut être proche des autres parce que j'écris. L'écriture est pour moi comme le socle qui me permet de vivre et d'être au monde. Wow. Mais vous êtes actrice aussi, j'ai lu. C'est vrai, non? J'ai de la chance d'avoir... des amis qui sont des cinéastes et qui sont des grands cinéastes et qui, de temps en temps, me disent « Est-ce que tu veux bien faire une scène, un rôle? Est-ce que tu veux bien jouer? Ce personnage, j'ai l'impression que tu pourrais le faire. » Et moi, je dis toujours oui parce que c'est merveilleux de jouer. Mm-hmm. Jouer, c'est comme les enfants qui jouent. En revanche, je ne me définis pas comme une actrice.
Je suis une écrivaine et de temps en temps, j'ai des amis qui me demandent de jouer avec eux. Voilà. Donc, vous n'avez pas fait l'école, alors, en tant qu'actrice. Très jeune, je me suis intéressée au théâtre et c'était l'écriture théâtrale et la dramaturgie qui me plaisaient. Je voulais écrire pour le théâtre et je voulais faire de la mise en scène, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et à mon époque, il n'y avait pas encore d'école pour cela. Il fallait faire des écoles de jeu pour pouvoir accéder à l'enseignement de la mise en scène et de la dramaturgie. Donc oui, j'ai suivi des enseignements dramatiques, mais pour moi, c'était non pas pour devenir actrice, mais davantage pour accéder à la science et à la connaissance de la dramaturgie. J'écris tous les jours. J'ai une sorte de journée qui doit être toujours la même. Je mets les enfants à l'école. Ensuite, je rentre chez moi. Je vis dans un endroit qui peut paraître étrange parce que il n'y a quasiment pas de meubles ni de... J'ai besoin d'une sorte de vide autour de moi. J'ai besoin de ne voir que des images qui ont un rapport avec mon livre, pas d'autres images. Et toute la journée, j'écris, je travaille, je ne peux pas voir quelqu'un, je ne peux pas déjeuner avec quelqu'un. Parce que si je déjeune avec quelqu'un, eh bien, cette personne, qui elle est, son énergie, son histoire, entre en moi. Et alors, ça perturbe le livre ou l'écriture. Donc, je passe mes journées seule, chez moi, concentrée. Et puis après, je vais chercher mes enfants à l'école quand la journée se termine. Parfait. Mais vous avez fait la thérapie, psychoanalyse. Et est-ce cela a un impact sur votre travail d'écriture? Et donc, c'est un travail durant lequel le thérapeute vous demande de dessiner votre arbre généalogique. Et déjà, la façon dont vous le dessinez raconte quelque chose. Et ensuite, vous devez, sur 3 générations, indiquer les dates de mariage, de naissance, les décès, la place dans la fratrie, les prénoms. Et à partir de là, le thérapeute regarde ce qui se dessine dans votre arbre, les choses qui se répètent, le prénom qu'on vous donne par rapport au prénom des ancêtres. Et pour moi, ça a été un travail très important parce qu'au fond, ce travail thérapeutique a été la base, une des bases de réflexion de mon livre « La carte postale », et qui est une réflexion sur les ancêtres et comment on s'inscrit au fond dans un arbre généalogique. Et alors, la thérapeute m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. Elle m'avait dit, quand on travaille sur son arbre généalogique, évidemment, on guérit quelque chose pour les générations à venir, mais on guérit aussi l'arbre passé. Et ça, ça m'avait fait réfléchir. Ok. De quelle manière? C'est-à-dire qu'en fait, en travaillant sur votre arbre généalogique, d'une certaine façon, vous appelez vos ancêtres. Vous les faites revenir. Vous faites revivre les fantômes. Alors, vous entamez un dialogue avec eux. Et les fantômes sont très heureux d'être appelés et de commencer des discussions. C'est important pour eux. Ok. Et si on parle de votre livre « La carte postale », les coïncidences, justement, entre vous et vos ancêtres sont nombreuses. Donc, un hasard, le destin, comment l'expliquez-vous? Pendant que j'écrivais mon livre, j'avais souvent la sensation d'être accompagnée par mes ancêtres et qu'ils étaient là, sur mes épaules, à me guider dans l'écriture.
Il y a une façon scientifique de raconter ça, d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai découvert en faisant mon enquête et en écrivant mon livre que des scientifiques depuis longtemps travaillent sur la mémoire cellulaire. Nos cellules auraient une mémoire des émotions, une mémoire sur 3 générations. Ce qui veut dire qu'au fond, face à un même événement, je vais réagir d'une certaine façon, différente de celle de mon voisin, parce que j'ai en moi une mémoire cellulaire, une mémoire émotionnelle, qui me fait réagir et comprendre des choses qui sont liées à mon histoire familiale, même si je n'ai pas connu mes ancêtres. Pour moi, c'est une façon scientifique, rationnelle, au fond, d'expliquer que nos ancêtres vivent en nous. Dans de nombreuses cultures, nous avons, les gens ont un rapport aux disparus. On vit avec les grands-parents, avec les arrière-grands-parents, même s'ils sont morts, ils sont là, présents, à leur manière. Nous nous sommes coupés de ce lien-là. Nous nous sommes coupés du rapport aux ancêtres, d'un rapport vivant aux ancêtres. Alors que je pense que c'est très important. Et pendant que je faisais mes recherches sur ces gens que je n'ai pas connus et dont je ne savais rien, puisqu'ils sont morts tragiquement et qu'ils n'ont pas pu laisser de traces, moi, en cherchant leurs traces, je me suis rendu compte d'un certain nombre de coïncidences très étranges que je raconte dans le livre. On peut dire que c'est le hasard. Et on peut dire que ce n'est pas un hasard, que ce sont ce que j'appelle des transmissions invisibles que nos ancêtres nous envoient. Vous pouvez donner des exemples ? Alors, je vais vous donner des exemples, mais pas tous, parce que je ne veux pas enlever de la surprise au lecteur qui, dans le livre, va découvrir ces coïncidences qui sont tellement incroyables que moi-même, en les vivant, j'avais l'impression que c'était irréel. Mais pour vous donner quelques exemples, je me suis rendu compte en faisant mon enquête que je vis aujourd'hui dans la même rue que mon grand-oncle, qu'il vivait en face de chez moi. Je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, étudiante, je rêvais d'entrer dans une école pour étudier. C'était vraiment comme une obsession. Et que c'était l'école où ma grand-mère et sa sœur elles-mêmes avaient déjà étudié 60 ans auparavant. Et moi, je ne le savais pas. Et pourtant, je rêvais d'aller dans cette école. Voilà. Et beaucoup d'autres coïncidences assez incroyables qui nous montrent que souvent, la vie, la vraie vie, la réalité, a plus d'imagination que nous. Ce sont des choses que je n'aurais pas pu inventer. Lorsque j'écrivais ce livre, j'avais un lecteur en tête. Lorsque j'écris, je pense toujours à quelqu'un. J'écris pour quelqu'un dans ma tête. En général, c'est quelqu'un que je connais. Là, j'écrivais pour quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui était un jeune homme, une jeune fille de 17-18 ans. J'écrivais pour quelqu'un de jeune. Parce que mon livre devait être le véhicule d'une transmission. J'écrivais pour la génération à venir. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais que le livre
soit écrit dans une langue claire. Qu'il n'y ait pas de mots à chercher dans le dictionnaire. Que l'on ait envie de tourner les pages et de connaître la suite, comme un roman policier. Mais parce que je voulais qu'à travers cet aspect romanesque, quelqu'un de jeune découvre et apprenne l'histoire. Parce que j'ai vraiment écrit ce livre avec l'idée de transmettre une histoire qui a eu lieu et que l'on ne doit pas oublier. Ce qui s'est passé en France, en Europe. L'histoire de la Shoah et de la disparition des Juifs d'Europe. Et souvent, je pensais à cette phrase de Simone Veil qui disait « Il n'y a pas de devoir de mémoire, mais il y a un devoir de transmission et d'éducation. » Et c'est ce que j'avais en tête en écrivant le livre. Parce que, vous savez, moi, j'appartiens à la troisième génération, c'est-à-dire que je suis la dernière génération qui a connu, vivant, les témoins de la Shoah et les survivants. Et donc, nous, cette troisième génération, nous savons que nous avons que nous sommes à une transition très particulière entre ceux qui pouvaient dire « voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu » et qui sont en train de disparaître. Et nos enfants, mes enfants, ne seront pas contemporains des témoins de l'Holocauste et de la Shoah. Et donc, c'est pourquoi notre génération a un devoir de transmission très particulier. Oui, votre famille a vécu l'antisémitisme en Russie, en Pologne, en France, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comment jugez-vous la situation actuelle en France pour les Juifs ? La situation actuelle en France, mais au fond, en Europe ou même aux États-Unis, là d'où je reviens, et où les Américains sont préoccupés par une montée de l'antisémitisme à laquelle ils n'étaient pas habitués. Il y a quelque chose dans l'histoire qui n'en finit pas. Et dès que le monde est en crise, et nous traversons une crise qui va être de plus en plus aiguë, dès que le monde est en crise, l'antisémitisme revient. On pensait que, après la Seconde Guerre mondiale, les mots de fascisme, d'antisémitisme, auraient disparu de notre quotidien. Mais non. C'est une histoire qui ne s'arrête pas, qui n'en finit pas. Et vous-même, comment vous vivez la situation actuelle en France, personnellement ? Vous avez vécu des situations, peut-être pas vous, mais dans la famille, je veux dire, ou par les amis. Je raconte dans le livre que le déclenchement du livre est lié à ma fille qui, à l'époque, avait 6 ans. Et qui un jour déjeune avec ma mère et lui demande « Est-ce que, grand-mère, est-ce que tu es juive ?» Ma mère lui dit « Oui ». Elle dit « Est-ce que ça veut dire que maman est juive ?»« Oui ». Et ma fille dit « Alors, ça veut dire que je suis juive ?» Et ma fille fait la grimace. Et ma mère lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et ma fille dit « Je suis embêtée parce qu'on n'aime pas les juifs à l'école. »
Ça a été un des déclencheurs du livre, parce que j'ai été très choquée à l'idée que ma fille de 6 ans, aujourd'hui, à Paris, puisse dire « on n'aime pas les Juifs à l'école ». Et alors, cela m'a renvoyée à moi-même, lorsque j'avais 6 ans, au même âge que ma fille, et que notre maison, là où j'habitais avec mes parents, que notre maison avait été taguée avec une croix gammée. C'était la seule maison du quartier avec quelqu'un qui avait dessiné une croix gammée sur notre maison. Alors, il y avait quelque chose comme ça qui se répétait dans l'idée que il y a dans la jeunesse un moment autour de l'âge de 6 ans, moi, ma fille, l'idée que nous sommes désignés par le monde extérieur comme juifs et que c'est une et que nous sommes une cible et que c'est une menace et que ce mot juif est une menace pour l'existence. Et c'est un des grands sujets du livre, c'est-à-dire de comprendre ce que ce mot signifie dans une vie, lorsque c'est une vie laïque comme la mienne, que signifie le mot juif pour moi. Et je tente d'y répondre dans le livre. Mais aujourd'hui, donc, cette situation d'antisémitisme revient évidemment lorsque j'ai sorti mon livre. J'ai vécu sur les réseaux sociaux, sur des réflexions antisémites, oui. Ah oui. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais nous sommes là pour nous battre et pour lutter contre cet obscurantisme. Et pour expliquer, pour dire, pour défendre.